Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Putain, pourquoi nous en France, on est là, on dit ouais, les gars, j'espère que vous allez bien. Aux États-Unis, tout simplement, ils disent What's up, guys? It's Estinokis here. Today in this video. Tu vois, c'est plus nice. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, moi, ça va et je me présente, c'est Estinokis, Stan. Et puis voilà, les gars, mon Instagram est juste ici. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, dans cette vidéo, les gars, je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées sur Instagram, simplement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo et partager ça avec vous. Même si je sais que cette question, vous pouvez la trouver partout sur YouTube. Mais moi, je vais partager ça avec notre communauté, vous. Et aussi, les gars, avant de commencer, on vous remercie parce qu'aujourd'hui, on est 400 abonnés, si je ne me trompe pas. Et ça fait vraiment plaisir parce que voilà, ça fait un mois qu'on a vraiment commencé la chaîne e-commerce parce que moi je fais du fitness à la base. Donc si vous voyez dans mes anciennes vidéos, vous allez voir tout ça. Donc j'avais pas grand monde, mais grâce au e-commerce, grâce au dropshipping, à force d'apporter de la valeur, bah ça a fait grandir la communauté. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, qu'on n'est pas des millions, mais ça c'est l'objectif. Bon, en tout cas, voilà, on a une bonne petite communauté engagée. Et ça fait plaisir les gars, en tout cas on vous remercie beaucoup avec mon associé Yep Body. Et puis voilà les gars, donc n'hésitez pas toujours les gars à partager ce compte, à partager les vidéos, partager. C'est tout. Les deux questions les gars qu'on m'a demandé en fait tout simplement, c'est comment, avec quel moyen de paiement il faut payer les influenceurs, et deuxièmement, quand est-ce que je dois payer les influenceurs? Ok les gars, donc dans cette vidéo, je vais répondre à ces deux questions-là comme ça. Si vous, aujourd'hui, vous voulez savoir comment, bah, ça tombe bien. Mais avant de commencer les gars, si jamais vous avez des questions sur l'e-commerce, sur dropshipping, dites-vous qu'on vous propose un appel gratuit. Donc cliquez sur le lien, c'est Calendly, où vous allez pouvoir réserver votre premier call gratuit avec nous. Voilà, vous allez avoir 15 minutes de call tout simplement. Donc cliquez sur celui-là les gars, cliquez. Et aussi les gars, bonne nouvelle, on a fait une formation gratuite avec mon associé les gars pour vous apporter de la valeur. Mais là, ça sera une valeur comme jamais les gars, parce que dites-vous que ce qu'on va vous dire en fait dans ces vidéos-là, vous n'allez pas trouver ça sur YouTube. Et ça les gars, c'est gratuit. Après bien sûr, on a fait une formation qui est payante, mais je vous conseille dans un premier temps de commencer par la formation gratuite. Et si jamais vous voulez aller plus loin, partez sur la formation qui est payante les gars directement. En tout cas, le lien de la formation gratuite, elle est juste ici les gars. Cliquez, mettez votre prénom, mettez votre mail et vous allez recevoir un mail de ma part directement, soit dans les promos, soit dans les spams ou soit directement. Donc voilà les gars, enregistrez-vous, mettez votre mot de passe, votre nouveau mot de passe et je vous dis à de suite. Du coup les gars, l'influenceur, il faut le payer en deux fois les gars, c'est très très important et regardez pourquoi. En gros, vous devez payer l'influenceur 50% après la négociation et ensuite 50% juste après que l'influ vous a envoyé les vidéos, d'accord, pour la story. Ensuite, donc pourquoi en fait 50% après la négo? Tout simplement les gars, dites-vous que les influenceurs reçoivent beaucoup de messages pour les passements, etc. Si vous aujourd'hui vous avez négocié un bon prix avec l'influ et que vous ne payez pas, bah en fait, il y aura une autre personne, elle va arriver, bah la personne, ça se trouve, elle va pas négocier, ou sinon la personne, elle va proposer un meilleur prix que vous. Du coup, imaginez-vous que vous avez prévu une date, par exemple, le 10 juillet. Bah pour le 10 juillet, bah c'est mort, parce qu'une personne, cette personne-là, elle est arrivée et elle a proposé un meilleur tarif que vous. Donc, je vous conseille de payer directement après la négo, n'attendez pas demain après-demain, payez l'influenceur après la négociation, les gars. 50% comme ça, vous réservez votre place. Ça, c'est très important, les gars, parce que moi, j'ai fait l'erreur. Et je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai fait cette erreur-là. Et l'influ, je suis reparti la voir parce que moi, c'était voilà, je contacte pratiquement que des influenceuses. Je suis reparti voir cet influ. L'influenceuse, elle m'a dit que voilà, ça ne sera pas possible parce qu'une personne, elle est arrivée. Cette personne-là, elle a proposé mieux. Et cette personne avait déjà payé. Donc, du coup, ma place, poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, j'avais raté. Ensuite, pourquoi je vous dis de payer l'influenceur après les vidéos? Parce que dites-vous que si l'influ vous paye tout d'un coup, ben en fait, il ne sera pas motivé. Il va se dire, vas-y, c'est bon, il m'a payé. Il est plus chaud, en fait. C'est pour ça, en fait, il faut pas tout donner d'un coup. Il faut lui donner 50%. Comme ça, voilà, l'influ, vous l'avez toujours, vous le tenez toujours la baguette. Parce que si vous lui donnez tout, c'est fini pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'influ... il va faire n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en gros, l'influ, il faut vous donner 50 juste après la négo, comme ça, vous bookez. Et 50 juste après que l'influ vous a envoyé les vidéos. Et aussi, très important, les gars, pourquoi en fait je dis après les vidéos? Parce que
Imaginez-vous que vous payez aussi l'influx avant les vidéos. L'influx va, vous allez lui envoyer votre brief et tout, l'influx va dire, écoute, moi je fais comme j'ai l'habitude de faire. Vous voyez ce que je veux dire? L'influx va vous dire ça. Parce que vous avez envoyé l'argent. L'influx, en fait, il s'en fiche. Parce que si au pire, l'influx ne veut pas vous envoyer les vidéos, bah, vous reprenez votre argent. C'est tout. C'est tout. OK? Donc, voilà, c'est pour ça que je vous conseille de payer en deux fois les influenceurs. Donc, maintenant, les gars, on va voir par quel moyen de paiement il faut payer un influenceur. Alors, ça, c'est très important. Et j'ai fait l'erreur au début. Donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là, les gars, pour que vous ne reproduisez pas cette erreur-là. OK? Ça, c'est très important. Donc, la deuxième question, les gars, c'est par quel moyen de paiement? Donc, moyen de paiement, les gars, PayPal. PayPal, dites-vous que PayPal met en avant le client. Le client est roi, les gars. Donc, l'influenceur, quand vous allez payer l'influenceur, si jamais l'influx, en fait, il ne respecte pas ce que vous avez mis dans le brief, bah, vous allez pouvoir mettre en place un litige. Donc, le litige, en fait, ça va vous permettre de récupérer votre argent. OK? Donc, si vous payez l'influx avec votre RIB, même si vous avez fait un contrat, etc., ça va être galère de récupérer vos sous, les gars. Ça va être galère. Donc, je vous conseille de commencer, enfin, je vous conseille d'envoyer l'argent avec PayPal. Après, avec PayPal, les gars, il y a deux modes. Donc, faites attention, les gars, il y a deux modes. Donc, le premier mode, c'est mode en mode vous envoyez à un pote. Et le deuxième, c'est bien au service. Et bien au service, c'est quand les personnes, par exemple, ils payent sur votre site et du coup, voilà, c'est en mode bien ou service. Donc, nous, c'est un service que l'influenceur va nous rendre. Donc, voilà, donc ça passe aussi dedans. Après, l'inconvénient, enfin, pour moi, c'est pas un inconvénient, peut-être pour vous aussi. Si. Mais l'inconvénient, en fait, c'est que il y aura des frais. Après, les frais ne sont pas beaucoup, les gars. Les frais, c'est pas beaucoup. Par exemple, pour 100 euros, vous allez payer 3 euros de frais. D'accord? Généralement, les influx, voilà, 200 euros, tu vas payer 6 euros. Mais rassurez-vous, je vais mettre le lien pour calculer les frais, comme ça, vous serez tranquille, vous n'avez pas besoin de chercher partout. Je vous mets le lien là pour cliquer dessus. Donc, j'espère, les gars, que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté de la valeur, tout simplement. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous, partagez et rappelez-vous, les gars, il y a deux liens qui sont très importants ici. Le premier lien, c'est pour nous appeler, pour nous poser des questions sur le e-commerce, sur le dropshipping. Deuxième, les gars, c'est le lien de la formation gratuite e-commerce. Donc, les gars, cliquez sur le lien, allez voir la formation gratuite et tenez-nous au courant. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va essayer de sortir de plus en plus de vidéos par semaine, les gars. OK, comme ça, on va vraiment vous motiver, vous encourager. Parce que nous, nos élèves, là, ils sont en train de chiffrer, les gars. De toute façon, je vais vous montrer des résultats à droite, à gauche. Là, vous allez voir. En tout cas, les gars, ça fait vraiment plaisir. On revient en forme. On va vous balancer des vidéos de plus en plus. Donc, vous avez vu ce livre-là, les gars? J'espère que vous l'avez vu. Allez, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était SNO Kid. Peace.